Mon ami Nestor a été renvoyé de son travail. Il était découragé. Il était prêt à tout pour avoir l'argent. Parce que dans une famille, quand tu n'as pas l'argent, tout ta chose prend pour tuer les cafards à la maison. Le soir, deux de ses amis sont venus le voir. Il dit, ah, Nestor, comme tu es là, tu as été renvoyé. Nous, on a un plan. On veut braquer une banque. Si tu es partant, on est partant. Nestor a besoin d'argent. Il a accepté. Ils sont partis, ils ont braqué la banque. Ils ont réuni tout l'argent. Ils ont mis les billets de 10 000, 5 000 dans un sac. Ils ont mis les billets de 500 000 francs, 2 000 dans un sac. Ils ont mis les pièces de 500 dans un sac. Ils ont tout réuni. Donc, dès qu'ils voulaient prendre les sacs, Nestor et ses amis, dès qu'ils voulaient prendre les sacs pour sortir, voilà la police. Pareil, cliquez sur ce lien-là parce que l'histoire, ça là. Lui s'appelle Jetka, il est très bon dans les coupons. Il y a beaucoup de championnats, il y a Ligue des champions à Europa. Il peut vous aider aussi à faire les bons coupons. Voici son lien Telegram qui est là. Cliquez dessus, vous allez aller là-bas pour prendre les bons coupons, les vrais coupons. C'est Jetka, voici son lien Telegram. Dans la précipitation, un des amis de Nestor a pris le sac de 10 000, il a chargé, il a couru, il est sorti. Nestor, ça fait exprès. Ce sac de 500 d'Estor a pris, il a chargé, ou il a suivi aussi. L'autre a chargé les sacs de 1000 francs, 2000, il a chargé, ou la police est derrière lui. Et gaz. C'est qu'il faut un gaz. Ils se sont éparpillés parce qu'ils avaient un point de rendez-vous, ils devaient se retrouver. La police a tiré sur Nestor. Mon ami Nestor, quand Dieu est avec toi, rien ne peut t'arriver. Ils ont tiré encore sur Nestor. Heureusement que la balle, cette fois-ci, est venue se loger dans le sac d'argent, des pièces, dont les pièces ont commencé à verser. Nestor a vu qu'il allait tout perdre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son doigt et puis il a bouché le trou. Il a commencé à gazer. Il a commencé à gazer. Et puis il a pris un virage. Subitement, par surprise, sa femme l'a giflé. Quand il s'est réveillé, elle lui a posé une question. Ton doigt fait quoi dans mon anus? Nestor regarde autour de lui. Il est sur le lit. Il regarde. Il dit, attends, attends. Donc je rêvais. Sa femme l'a giflé encore. Il était en train de rêver. Mon cœur chaud. Quand tu es calé, tu fais les rêves bizarres.